Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. C'est donc au milieu des fleurs, donc du potager qui dit non, que je vous retrouve. Vous vous souvenez qu'on avait mis en place du gazon fleuri qui a eu beaucoup de mal à démarrer puisque la sécheresse a débuté juste après notre semis. Eh bien, voilà, c'est avec satisfaction que je constate une floraison abondante, en tout cas chez les facélies pour le moment. Et puis, il y a d'autres plantes qui commencent à vraiment très bien se développer. J'ai même pu observer quelques tournesols ici et là. Enfin, ça devrait donner un résultat assez satisfaisant par la suite. Et puis surtout, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de constater que la fonction finalement de ces parcelles de gazon fleuri, cette fonction est tout à fait assumée, hein, et bon nombre de pollinisateurs, bourdons, abeilles, etc., sont d'ores et déjà en train de coloniser ce gazon fleuri, et donc ont répondu à l'invitation, voilà, à se rendre sur ce potager. Alors avant de vous retrouver dans la serre pour vous parler un peu de ce qui s'y passe, et en particulier des tomates, eh bien je vous propose de faire un petit tour sur le potager dans son ensemble, voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a fonctionné un petit peu moins bien jusqu'à présent. Hein. Encore une fois, on est sur notre toute première année et on est là en juin, début juin, et on a déjà pris pas mal de leçons sur ce qui sera judicieux ou pas de reproduire l'année prochaine. Alors, ben voilà, hein, les petits pois par exemple, en tout cas de cette manière-là, ça a plutôt bien fonctionné, vous voyez, hein, c'est pas loin, je pense qu'on n'est pas très loin de la récolte. À vrai dire, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils seront bons à récolter. J'ai pas mal de questions comme ça qui se posent. C'est pas très grave. Je vais avoir le plaisir d'accueillir quelques copains ici samedi prochain, et certains d'entre eux sont des jardiniers plus ou moins confirmés. Voilà, je crois que j'aurai un certain nombre de réponses aux questions que je me pose encore. Donc voilà, les petits pois ont bien fleuri et aujourd'hui les fruits sont là, les gousses sont bien là, donc en attente d'être récoltées, je pense d'ici assez peu de temps, ce qui nous permettra de réemployer eh bien les lignes qui leur étaient consacrées voilà, à destination d'autres cultures. Hein, je pense peut-être par exemple à des poireaux. Je me demande si le repiquage des poireaux d'hiver ne serait pas concordant avec la récolte des petits pois. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Bon, on verra. Alors, je vous retrouve sur ce petit bout de parcelle avec plusieurs choses intéressantes. Les choux rouges qui vraiment se développent très très bien. Alors, celui-ci est venu en remplacement très récemment. Les deux autres sont plus anciens. Alors, du remplacement, pourquoi ? Quelques attaques de limaces, effectivement, mais alors très très peu. C'est vraiment quelque chose de tout à fait supportable pour le moment, en tout cas. Hein. Je ne dirais peut-être plus la même chose lorsque j'aurais vraiment fait l'objet d'une attaque en règle contre une armée de limaces déterminée à tout dévaster. C'est pas le cas jusqu'à présent. Hein. Donc on remplace. Hein, on a quelques plans d'avance, toujours en renouvellement, on remplace et puis c'est tout. Ça se gère très très bien. L'autre problème, c'est quand même le campagnol qui vient non pas consommer les racines des végétaux. Jusqu'à présent, je n'en ai pas eu le sentiment. Néanmoins, lors de ses déplacements, ce campagnol a tendance à soulever les végétaux, à venir créer des poches d'air sous les racines, hein, du fait de la galerie tout simplement. Et là, c'est le dessèchement de la plante très 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 rapidement. Alors, j'ai réussi à les remettre en place lorsque je le vois dans les heures qui suivent. Si je passe à côté et puis qu'on s'en rend pas compte, c'est fini, hein, la plante crève. Hein. Donc, c'est ce qui s'est produit pour ce chou, enfin pour celui qui était à la place de celui-ci. Donc, il a été remplacé, ce qui explique son développement un peu plus faible que les deux autres. Ici sur le côté, ce sont des très jeunes plants d'épinards qui viennent remplacer
des navets vertus des marteaux, hein, des navets blancs un petit peu cylindriques allongés. Alors moi j'aime pas trop les navets, mais ils étaient tout à fait excellents, donc ils ont été récoltés, hein, c'est pour ça que les épinards prennent leur place. Ils étaient tout à fait excellents ces navets, au dire de Séverine, hein. Et là, sur le côté, alors des navets également, et en alternance, des laitues, dont une, alors je ne sais pas pourquoi, qui se met à monter, je crois que c'est ça le terme, hein, qui va donc fleurir. Alors on va la laisser fleurir, on essaiera de récolter ses graines. Il y en a deux comme ça sur l'ensemble du potager, deux salades qui ont cette tendance à monter comme ça. Bon, on en a déjà récolté de nombreuses, c'est pas bien grave, hein, tout ça. Globalement, ça se comporte plutôt bien. Hein. Et entre deux, ce sont donc des échalotes pour lesquelles je ne sais pas non plus quelle sera exactement la période de récolte pour le moment. Ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir que je me renseigne très vite. Alors ici, les salsifis sont tout à fait magnifiques. Alors ça, c'est un légume que je tenais vraiment à essayer, sauf que ça semble pas très courant et j'ai du mal à obtenir les informations qui concernent la culture du salsifis. Et du coup, on sait pas trop ce qu'il faut faire par la suite là. Est-ce qu'il faut les démarrier comme des carottes? Est-ce que il faut les rabattre, les laisser comme ça? Enfin, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Et en proximité de ces salsifis, donc ici, on a des oignons. On a des oignons ici, juste sur le côté. Et entre deux, eh bien voilà, hein, le fameux compostage de surface dont je vous avais parlé, qui contribue à alimenter les limaces en même temps que le sol et à détourner un petit peu l'attention de ces ravageurs, eh bien des cultures proprement dites. Encore une fois, c'est pas du 100%. On subit quelques attaques, mais ça semble marcher plutôt pas mal. Donc si vous vous souvenez de la vidéo qui traitait de notre manière de planter les pommes de terre, un peu particulière, en tout cas non conventionnelle, on peut le dire, hein, sans les buter, eh bien voilà où elles en sont, hein. Elles ont pourtant subi un épisode de gelée qui a causé quand même quelques dégâts, eh bien elles se sont retapées, vous voyez, elles se développent très très bien. À suivre, encore une fois, on verra ce que ça donnera vraiment à la récolte, mais pour le moment, ces pommes de terre se portent plutôt bien, vous pouvez le constater. Alors, au rayon des choses sur lesquelles on va intervenir en termes de réforme, sur la saison prochaine, c'est la hauteur, l'épaisseur, hein, de la couche de foin. Je m'explique. On doit avoir à peu près ici, je dirais maintenant, un prétassement, là, notamment par les intempéries, une bonne quinzaine, hein, regardez, 2 cm de foin, dans lequel on vient découper, etc. Bon, je reviens pas là-dessus, ça fonctionne très bien, c'est pas là la question. Le fait est que lorsque les lignes sont ensuite créées et les semis réalisés ou les repiquages réalisés dans ces lignes, eh bien, je pense que les entre-deux de foin constituent autant d'obstacles à la lumière, hein, de manière oblique. Donc le soleil, pour nous, se lève là-bas, fait ça comme ça de ce côté, et se couche là-bas. Et donc, ici, je pense que ces crêtes, constituées un petit peu par les remparts, finalement, de foin entre les lignes, eh bien, empêchent la lumière d'atteindre le fond de la gorge à chaque fois, là où les repiquages ont lieu, où les semis sont réalisés. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pas très grave pour certains végétaux qui vont très vite prendre de la hauteur et gagner la lumière. C'est le cas des haricots, hein, que vous voyez ici, ça a très bien fonctionné. J'ai le sentiment que ça peut être un petit peu plus ennuyeux pour des plantes comme les betteraves, par exemple, ou d'autres choses. Bon, voilà, donc quand même, l'année prochaine, on essaiera de diminuer un petit peu l'épaisseur de foin en essayant de garder le côté, bien entendu, paillis anti-adventice, et puis en visant toujours à nourrir notre sol, etc., par la décomposition de ce foin, hein, bien entendu. Mais voilà, un petit peu moins haut. D'autre part, on avait essayé également de faire des plantations en isolé. Alors là, c'est encore pire, hein, on fait vraiment un trou et on vient mettre les plants dans les trous. Et là, on a vraiment la plante qui doit se développer finalement au fond d'un gouffre,
Hein, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quand même. Et la lumière a beaucoup de mal, là encore, à venir atteindre les feuilles des jeunes plants correctement. Et la lumière, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On va d'ailleurs en reparler tout de suite dans la serre. Alors, nous voici donc dans la serre. Alors, j'espère être tout à fait audible. Je m'en excuse par avance si toutefois il y a un peu de bruit qui vient parasiter mon propos. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et donc la bâche est un peu mouvementée, ce qui génère un peu de bruit, quoi. Bon. Alors voilà, la serre dont je vous rappelle qu'elle a fait l'objet d'un accident climatique il y a quelque temps, assez sérieux. On a perdu pas mal de plants, de poivrons, de tomates, d'aubergines, etc. On a réussi, je pense, assez bien à se retaper. Voilà, c'est plutôt pas mal. Grâce à un coup de main de copains qui m'ont gentiment apporté quelques plants de tomates Saint-Pierre notamment. Moi j'ai eu des pieds de tomates Santiam, cœur de bœuf, Albenga qui ont survécu également, de la poire jaune, voilà. Donc bon, on a réussi à repartir avec tout ça. On peut observer quelques fleurs sur certains pieds de tomates, c'est déjà intéressant en soi. C'est suffisant en tout cas pour nous donner confiance pour l'avenir de cette serre. Alors, on a opté donc pour un tuteurage ficelle. Alors il y a plusieurs techniques, hein. Je vais pas m'étaler là-dessus, entre le tuteur proprement dit droit ou spiralé et la ficelle notamment. Il y a sans doute encore d'autres techniques qui sont applicables. Dans notre cas, c'est ce qui nous a semblé le plus intéressant. Et la question se pose maintenant de savoir comment est-ce qu'on va conduire ces pieds de tomate dans la serre. Alors déjà, un parti pris, on a fait le choix de les planter relativement serrés à mon sens. Je pense que peut-être que certains d'entre vous en voyant ça vous diront, peut-être que vous vous direz, oh là là, c'est beaucoup trop serré, ça ne va pas fonctionner, ça va être un foyer à maladie, etc. Bon. Je ne sais pas trop, j'ai eu le sentiment qu'on devait quand même essayer d'occuper ces 9 mètres carrés au maximum pour le moment. Je suis issu de l'aménagement paysager et j'ai un petit peu tendance à apprécier que les végétaux s'entremêlent dans ce cadre-là. J'ai peut-être reporté un petit peu ou transféré, disons, cette approche sur l'aménagement de la serre. Bon. On verra bien, ça sera peut-être tout à fait préjudiciable et peut-être que l'année prochaine, là encore, on prendra le parti d'espacer un petit peu plus les plants entre eux. Alors, en ce qui concerne la conduite de ces pieds de tomates, deux grandes écoles, vous le savez, on taille ou on taille pas, c'est à peu près ça. Hein. Donc j'ignore si ces pieds de tomates sont déterminés ou indéterminés, ou semi-déterminés, hein, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pousser jusqu'à leur mort, hein, c'est-à-dire sur plusieurs mètres, ça c'est le cas des pieds indéterminés. Est-ce qu'ils vont s'arrêter à 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, ça va être le cas des pieds déterminés ou un petit peu entre deux dans le cas des pieds semi-déterminés. Hein. Là, en l'occurrence, j'ai pas cette information, il suffirait d'aller la chercher, mais c'est pas bien déterminant en fin de compte. Ce qu'on va faire, nous, dans notre cas, c'est, pour des raisons pratiques, bien évidemment, c'est qu'on va devoir arrêter ces pieds de tomates au niveau de l'armature de la serre. Hein, j'ai envisagé pendant un temps de les faire courir plus loin encore sur les armatures et de les laisser pousser à volonté. Et je me dis quand même que la serre peut accumuler de la condensation sur la bâche de temps à autre et que garder le feuillage en proximité de cette condensation, là, ça va pas le faire, quoi. C'est vraiment une excellente manière d'inviter certaines maladies et le mildiou sans doute en particulier dans la serre. Et ça, j'y tiens pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser monter jusqu'à hauteur au maximum, hein, le long des cordes, et puis on viendra les pincer en terminaison, hein, de manière à essayer de stopper leur croissance en hauteur. Pour ce qui est des petits rameaux qu'on voit se développer à l'aisselle des feuilles, qu'on appelle communément des gourmands,
Je ne suis pas du tout partisan de supprimer ces gourmands, mais alors pas du tout. On va, pour cette année en tout cas, les garder, et puis on mesurera là encore hein, les conséquences de, eh bien, de notre choix, hein, de l'orientation qu'on aura prise. Mais pour ma part, je voudrais conserver un maximum de feuillage sur les pieds de tomates. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas tailler ces tomates ? Eh bien, c'est très simple. Je souhaite pour ma part conserver au maximum de feuillage sur le pied de tomate. Alors pourquoi ? Eh bien, on admet communément qu'une tomate va être appréciable à partir de 5% à peu près de sucre hein, contenu dans le fruit. Les tomates qu'on trouve dans la grande distribution, pour la plupart d'entre elles, contiennent plus ou moins 3% de sucre, ce qui peut expliquer leur goût fade, enfin leur absence de goût, on peut même aller jusque là. Hein. Donc pour notre part, on va essayer d'avoir des tomates finalement les plus sucrées possibles, hein, le sucre étant un exhausteur de goût à un moment donné. Et pour ça, il faut conserver ces usines à sucre que sont les feuilles, puisque ces feuilles, par le biais de la photosynthèse, vont enrichir la sève brute, hein, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux qui est puisée dans le sol, vont enrichir donc cette sève brute en sucre, pour qu'elle devienne de la sève élaborée et qu'elle soit redistribuée dans toute la plante, notamment dans les fruits. Hein, voilà pourquoi on va essayer de procéder de cette manière. Alors on peut penser qu'on aura sans doute un peu moins de fruits parce que on ne bourgeonne pas les tomates. D'autres penseront qu'on aura des fruits un peu plus petits. Bon, on va juste essayer de faire comme ça, observer, et puis vous le savez, hein, je vous ferai part des résultats au fur et à mesure, hein, des bons résultats comme des moins bons, comme je le fais depuis le début. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. On peut observer ici d'ailleurs, en parlant de résultats pas trop bons, un plant de concombre qui se trouve juste derrière et dont je m'aperçois, eh bien, avec un peu de recul, que c'est assez grand, ça fait des feuilles assez grandes et dont je me demande vraiment s'il a bien sa place là, quoi. Bon, pour le moment, je vais le laisser. J'espère que les tomates vont prendre le dessus, mais bon, on va surveiller ça de près. Mais c'était sans doute une connerie, je pense, d'avoir été mettre des pieds de concombre tout à fait là entre les tomates. Par contre, ces œillets d'Inde, eux, ont tout à fait leur place. Hein, vous le savez, ce sont des plantes qui vont, des plantes compagnes. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont protéger un petit peu les tomates. Eh bien, d'organismes indésirables, hein, contre des organismes indésirables. Bien, j'avais donc démarré ce film à travers les fleurs tout à l'heure. C'est à travers l'ail, un petit peu moins romantique, que je vais vous quitter. Et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo au potager qui dit non. Ciao, ciao!